Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Dibodia Kassai. Yeah.
jamais chani wa ma mwenye. Mais jamais kabe wa kanyaka. Allez wa tambala. Kaye kamwena mwenye. Takisala wetu chabule na tutu Ekonda kisha Waninyo usha kukogusi Takisala wetu lwa kunu Mbele mwena matumba Kisha mwandara Mujomu chena ni wimpamu ngamba Mujomu chena ni wimpamu ngamba Takisala wababe vana bagaba ya mwabwe Bikina kita mwena mwaji Chabule na tutu Kalunda jambi wa kalunda Diba chabule na tutu Babu ngamba ya lusi wa babu Lo wanga tamo ya wanyi Jagule nga toto babu Tasale wetu jiba jagule nga tute Uri wama ni mwimba mwenye Uri wama ni mwimba mwenye Wama mwenye Uri wama ni mwimba mwenye Wama mwenye Uri wama ni mwimba mwenye Batuma, nano ngosi nyuma nana ngosi Ala wababe Tatwa ni mwaya wanye Tatwa ni nakukenga Balineba tutuka bena banangas voir l'état d'avancement des travaux actuellement
et nous avions donné des orientations très claires. Nous savons que la ville de Mbujimayi est une ville qui est sujette aux problèmes d'érosion. Et donc, nous avons demandé aux entreprises ainsi qu'à la mission de contrôle de veiller à ce que les assainissements soient vraiment faits dans les règles de l'art, en tenant compte des normes en la matière. Et nous avons pu faire le constat qu'effectivement, tous les chantiers ouverts aujourd'hui, les travaux d'assainissement, la construction des canalisations pour permettre l'évacuation des eaux sont vraiment pris au sérieux. Et c'est cela même que nous attendons justement de non seulement de l'entreprise qui construit, mais également de la mission de contrôle sous la surveillance, bien sûr, de l'office de voirie et de drainage. Donc, nous allons continuer ces visites de manière régulière pour nous assurer que tout est fait selon les instructions reçues. Et nous pouvons nous estimer pour le moment satisfaits, particulièrement pour le second projet qui a pris vraiment une vitesse de croisière visible, le projet de 35 km que nous avons lancé, comme je le disais, au mois de juillet. Et nous faisons en sorte également que l'asphaltage et le bitumage puissent commencer à être visibles. Parce que jusqu'à présent, c'est vrai que les habitants constatent qu'il y a des travaux d'assainissement, mais ils ne voient pas encore l'asphalte, le bitume. Et donc, ça donne l'impression peut-être que, pour ceux qui ne sont pas vraiment connaisseurs, que les travaux ne sont pas effectués. Mais c'est ça le si vous voulez, la programmation, le planning qui doit être fait pour que nous ayons des résultats qui puissent être durables. Donc voilà, ici nous sommes sur un chantier où on voit un grand collecteur qui a été réalisé dans le cadre du projet Chilégé et qui continue, qui constitue vraiment une sorte d'épine dorsale pour l'évacuation des eaux dans la ville de Mbujimayi. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez par exemple abordé avec les différents experts sur terrain la question des difficultés auxquelles font face les entreprises qui exécutent ces travaux? Par exemple, l'entreprise Getset et l'entreprise Afrimex, est-ce qu'il y a des difficultés qui vous ont posé et qu'à votre niveau vous pouvez revoir? Bon, en tout cas, nous avons, nous, à notre niveau, veillé à ce que les conditions soient réunies pour qu'ils puissent effectuer les travaux. C'est-à-dire, nous veillons à ce que les financements suivent. Dans le cas du projet Chilégé-Loup, vous le savez que c'est un projet avec le financement, un financement en PPP, où le FONER vient en garantie. Et à notre niveau, nous assurons que les financements se font régulièrement. Et je pense que l'entreprise n'a pas à se plaindre de ce côté-là. De la même manière, pour le projet 35 km, pour ce projet-là, c'est un financement, un préfinancement de l'entreprise. Il préfinance et avec l'accord qui a été conclu avec le ministère des Finances, on pourra voir comment rembourser progressivement l'investissement que l'entreprise a été fait. Donc, en termes d'encadrement, tant technique que financier, je pense que les conditions sont réunies pour que les deux entreprises puissent réaliser tous les ouvrages que nous attendons dans les délais. Excellence, la population était en liesse, vous avez vu partout où vous êtes passé, il y a eu beaucoup de population. Quel message pouvez-vous laisser parce que dans quelques minutes vous allez quitter la ville de Mbujimayi? Bien, nous comprenons effectivement l'effervescence de la population parce que ces travaux étaient attendus depuis des décennies. Et je pense que c'est l'occasion de féliciter la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, par le fait qu'il veille à ce que ces travaux se réalisent pour que la population puisse jouir de sa ville dans des meilleures conditions. Et ce n'est pas que ici à Mbujimayi, nous allons poursuivre aussi à Kananga, mais dans la plupart des chefs-lieux que compte notre espace national, donc tout notre pays, la République démocratique du Congo. Et donc, je crois que cette liesse, on va commencer à la voir de plus en plus par toutes les visites que nous ferons, parce que réellement la population peut voir qu'il y a des travaux qui se font et c'est pour le bénéfice de la population. Merci beaucoup, Excellence. Je vois la bataille, 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 je
Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Dibodia Kassai.